Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, il sera question de la correction du sujet brevet métropole juin 2018. Premier exercice, un exercice de repérage et de calcul de volume. Le gros globe de cristal est un trophée attribué au vainqueur de la Coupe du Monde de ski. Ce trophée pèse 9 kg et mesure 46 cm de hauteur. 1. Le biathlète français Martin Fourcade a remporté le 6e globe de cristal de sa carrière en 2017 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Donnez approximativement la latitude et la longitude de ce lieu repéré sur la carte ci-dessous. 2. On considère que ce globe de cristal est composé d'un cylindre en cristal de diamètre 6 cm surmonté d'une boule de cristal. Voir schéma 6 contre. Montrez qu'une valeur approchée du volume de la boule de ce trophée est de 6371 cm3. 3. Marie affirme que le volume de la boule de cristal représente environ 90% du volume total du trophée. A-t-elle raison ? Rappel. Volume d'une boule de rayon grand R, grand V est égal à 4 tiers pi fois grand R au cube. Volume d'un cylindre de rayon petit r et de hauteur h, grand V est égal à pi fois r au carré fois h. Donc ici, nous avons la latitude. Donc ici, latitude. Par exemple, c'est là. Ceci est une latitude. Donc latitude nord. Et ici, longitude. Donc ici, pour se repérer, longitude, c'est le long de l'équateur. Le long de l'équateur. Voilà, le long de l'équateur. Et ensuite, latitude, c'est l'altitude par rapport à l'équateur. Alors, Pyeongchang est ici. Donc ici, deux graduations, c'est 30 degrés. Donc ici, une graduation, 15 degrés. Donc ici, on est après 120 et 135. Donc à peu près, ici, longitude, 132 est. Latitude. Donc, longitude ouest-est, latitude nord-sud. Donc là, on est plutôt au nord. Ici, on regarde, on est 30 degrés. Ici, on est entre 30 et 40 degrés. Donc ici, on est à peu près à 35 degrés nord. Environ, approximativement, 132 degrés est et 35 degrés nord. Alors, le volume de la boule. Donc, volume de la boule. Alors, de rayon R. Or, ici, on a le diamètre. Donc, le rayon de la boule, 23 divisé par 2, c'est 11,5. Donc, ici, 4 tiers fois pi fois 11,5 au cube. Alors, 11,5 au cube. fois 4 tiers fois pi fois 4 tiers 2027,833 fois pi. Donc ça, c'est à peu près égal à 3 pi. Donc on va trouver 6371 cm3 si on arrondit. Si on arrondit au centimètre cube près. Alors ici le rapport, donc on va noter rapport entre
Donc, le volume de la boule et le volume total. Donc, V de la boule est sur le volume du trophée. Alors, volume de la boule, c'est 6371, près. Volume du trophée, 6371, plus, donc on va ajouter le volume du cylindre. Diamètre 6, donc rayon du cylindre, eh bien c'est 6 divisé par 3 cm. Donc 3 au carré fois 23 fois pi. 6371 sur 6371. 3 au carré c'est 9 fois 23. Donc ici plus donc 7 et 207 pi. Donc ici on peut calculer. Donc 6371 divisé par 6371 plus 207 donc fois pi. 0, à peu près 0,97. Donc c'est environ 90%. Donc oui, Marie a raison quand elle affirme que le volume de la boule de cristal représente environ 90% du volume total du trophée. Exercice 2, un exercice de statistique. Parmi les nombreux polluants de l'air, les particules fines sont régulièrement surveillées. Les PM10 sont des particules fines dont le diamètre est inférieur à 0,01 mm. En janvier 2017, les villes de Lyon et Grenoble ont connu un épisode de pollution aux particules fines. Voici des données concernant la période du 16 au 25 janvier 2017. On nous donne les données statistiques sur les concentrations journalières en PM10 du 16 au 25 janvier à Lyon et les relevés des concentrations journalières en PM10 du 16 au 25 janvier 2017 à Grenoble. 1. Laquelle de ces deux villes a eu la plus forte concentration moyenne en PM10 entre le 16 et le 25 janvier ? 2. Calculer l'étendue des séries des relevés en PM10 à Lyon et à Grenoble. Laquelle de ces deux villes a eu l'étendue la plus importante ? Interprétez ce dernier résultat. 3. L'affirmation suivante est-elle exacte ? Justifiez votre réponse. Du 16 au 25 janvier, le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube par jour a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Alors, laquelle de ces deux villes a eu la plus forte concentration moyenne en PM10 entre le 16 et le 25 janvier. Donc ici on nous donne tout de suite la moyenne des concentrations à Lyon. Donc M, ici M est égal à 72,5 microgrammes par mètre cube. Et ici il va falloir calculer la moyenne. Moyenne, ça c'est ML, MG. MG, donc 32 plus 39 plus 52 plus 57 plus 78 plus 63 plus 60 plus 82 plus 82 plus 89 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 32, 39, 52, 57, 78, 63. 60, 82, 82 et 89. Donc, on peut voir stat. Voilà, stat. Donc, ici, la moyenne est de 63,4 microgrammes par mètre cube. Ainsi, la plus forte concentration moyenne PM10 entre le 16 et le 25 janvier est la plus forte, donc ici, pour Lyon. Calculer l'étendue des séries. Donc ici, étendue à Grenoble, EG, on prend la concentration maximale, donc ici, la concentration maximale c'est 89, moins, donc ici, 32. 89.32, c'est 57 microgrammes
par mètre cube. Donc ici, on a un étendu de 57. EL, bien, l'étendue c'est 107 moins 22. 107 moins 22, ça fait 85 microgrammes par mètre cube. Quelle est l'étendue la plus importante? Eh bien, c'est celle de l'ion, qui est l'étendue la plus importante. Interprétez ce dernier résultat. Eh bien, la variation entre la concentration minimale et la concentration maximale en PM10, donc ici, du 16 au 25 janvier 2017, est plus importante à Lyon qu'à Grenoble. 3. Alors, est-ce que le seuil d'alerte a été dépassé au moins 5 fois à Lyon, donc 80 microgrammes par mètre cube. On a la médiane, c'est 83,5 microgrammes par mètre cube. Donc, si on ordonne, donc il y a 10 éléments dans donc 10 jours entre le 16 et le 25 janvier, donc 10 données. Donc, si on ordonne ici les 10 données, voilà. Ici, on est sûr que, donc, médiane, on est sûr que la médiane c'est 83,5. Donc 83, donc 5 données ici, donc ces 5 données ici, sont supérieures à 83,5. Les 5 données ici sont supérieures à 83,5. Donc, conclusion. Donc, on peut affirmer que au moins 5 données ici sont supérieures à la médiane, donc 83,5 microgrammes par mètre cube. Exercice 3, un exercice de probabilité. Dans son lecteur audio, Théo a téléchargé 375 morceaux de musique. Parmi eux, il y a 125 morceaux de rap. Il appuie sur la touche lecture aléatoire qui lui permet d'écouter un morceau choisi au hasard parmi tous les morceaux disponibles. 1. Quelle est la probabilité qu'il écoute du rap? 2. La probabilité qu'il écoute du rock est égale à 7/15. Combien Théo a-t-il de morceaux de musique dans son lecteur audio? 3. Alice possède 40% de morceaux de rock dans son lecteur audio. Si Théo et Alice appuient tous les deux sur la touche lecture aléatoire de leur lecteur audio, lequel a le plus de chances d'écouter un morceau de rock? Alors ici, on fait l'hypothèse d'écui probabilité. Donc, hypothèse d'écui probabilité, c'est-à-dire que avec la lecture aléatoire, chaque morceau a autant de chances d'être choisi. Donc ici, la probabilité de sélectionner un morceau parmi les 375 est de 1 sur 375. Ainsi, la probabilité d'écouter du rap, eh bien, c'est le nombre de morceaux de rap qu'il y a dans le lecteur audio, morceau de rap, sur le nombre de morceaux total. Morceau total. Donc ici, 125 sur 375. Donc ici, 125 sur 375. 125 divisé par 375, on a un tiers. Donc ici, un tiers. Alors ici, la probabilité qu'il écoute du rock est égale à 7/15. Donc ici, probabilité d'écouter du rock est égale au nombre de morceaux de rock, sur nombre de morceaux total. Or, on va noter X, le nombre de morceaux de rock. Il y en a 375 de morceaux au total, est égal à, cette probabilité est égale à 7/15. Donc ici on peut faire le produit en croix, donc ici 15x est égal à 375 fois 7. Donc 375 fois 7, 375 fois 7, donc 7 fois 5, 35, 5, on retient 3, 7 fois 7, 49 plus 3, 52, 2, je retiens 5, 21 plus 5, 26, donc 2625, x est égal donc à 2625 sur 15, 175, donc ici Théo a 175 morceaux de rock sur son lecteur audio.
Alors, Alice a 40%, 40 sur 100 de morceaux de rock dans son lecteur audio, donc ici une probabilité d'avoir un morceau de rock de 0,4. Ici, 7 quinzièmes, c'est égal à 7 quinzièmes, c'est égal à 0, à peu près 0,47 à peu près. Or, 0,47 supérieur à 0,4. Donc ici, c'est Théo qui a le plus de morceaux de rock. Donc il a la plus de chances d'écouter un morceau de rock que Alice. Exercice 4, un exercice de géométrie. La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur. Les points C, B et E sont alignés. Le triangle ABC est rectangle en A. Le triangle BDC est rectangle en B. 1. Montrer que la longueur BD est égale à 4 cm. 2. Montrer que les triangles CBD et BFE sont semblables. 3. Sophie affirme que l'angle BFE est un angle droit. A-t-elle raison? 4. Max affirme que l'angle ACD est un angle droit. A-t-il raison? Alors, montrer que la longueur BD est égale à 4 cm. Alors, on se place dans le triangle rectangle CBD, rectangle en B. On sait que CB est égal à 7,5 cm et CD est égal à 8,5 cm. Donc ici, d'après le théorème de Pythagore, ou encore égalité de Pythagore, c'est accepté. On a ici BC au carré plus BD au carré est égal à CD au carré. CD carré étant l'hypoténuse, on a alors BD au carré est égal à CD au carré moins BC au carré. Donc BD au carré, c'est égal à 8,5 au carré moins 7,5 au carré. Moins 7,5 au carré. Ça donne 16. Ça donne ici 16. BD est donc égal à racine de 16. Racine de 16, c'est 4 cm. Les triangles BCD et BFE sont semblables. Alors, on sait que. Donc ici, on va faire dans le triangle BCD et dans le triangle BFE. Donc ici, CD est égal à 8,5 cm. Quel est le plus grand côté du triangle DFE? Eh bien, c'est BE. BE est égal à 6,8 cm. Ensuite, le plus petit, c'est BD. BD est égal à 4 cm. Le plus petit dans BFE, c'est FE qui est égal à 3,2 cm. Donc l'intermédiaire, BC est égal à 7,5 cm. Et ici, BF est égal à 6 cm. Donc ici, BF est égal à 6 cm. Donc ici, on va faire le rapport plus grand sur plus grand. Intermédiaire sur intermédiaire, plus petit sur plus petit. On va montrer que ces rapports sont égaux. Donc ici, BE sur CD. BE sur CD. Là, c'est 6,8 sur 8,5. Intermédiaire, BF sur BC. Donc ici, 6 sur 7,5. Et FE sur BD, 3,2 sur 4. On calcule. 6 sur 7,5, 0,8. 3,2 sur 4 égale à 0,8. C'est égal à 0,8, égal à 0,8, égal à 0,8. Comme BE sur CD égale à BF sur BC est égal à FE sur D, les triangles CBD et BFE sont semblables.
sont semblables. On sait que donc BFE et CBD sont semblables, sont des triangles semblables. Or, si deux triangles sont semblables, ils ont même mesure d'angle. Donc ici, entre BC et BD, il y a un angle de 90 degrés. Donc ici, CBD est égal à 90 degrés. Or, CB, c'est l'intermédiaire, BD, c'est plus petit. Ici, on a dit que BF, intermédiaire, FE, plus petit. Donc, l'angle qui correspond, c'est BFE. Donc ici, BFE est égal à 90 degrés. Donc, Sophie a raison d'affirmer que l'angle BFE est un angle droit. L'angle ACD. Si, c'est ACD est égal à ACB plus BCD. Ici, on a deux angles adjacents. Parce que BC est un côté commun des deux angles. ACB, on sait que c'est 61 degrés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer BCD. Ici, on connaît l'adjacent et l'hypoténuse. Donc, on va pouvoir calculer le cosinus de BCD. BCD, c'est égal à BC sur CD. 7,5 sur 8,5. Ainsi, on obtient BCD sur la calculatrice. On obtient l'angle BCD en appliquant donc arcosinus, donc A cosinus de donc 7,5 sur 8,5. 7,5 sur 8,5. On va trouver en degrés, donc on vérifie que la calculatrice est en degrés, 28,07, donc à peu près 28 degrés. Et donc, 61 plus 28, ACD, est égal à 61 degrés plus 28 degrés, ça fait 89 degrés. Donc, c'est pas égal à 90 degrés. Donc, Max a tort quand il affirme que l'angle ACD est un angle droit. Exercice 5. Donc un exercice sur le programme de calcul. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre, multiplier ce nombre par 4, ajouter 8, multiplier le résultat par 2. 1. Vérifier que si on choisit le nombre moins 1, ce programme donne 8 comme résultat final. 2. Le programme donne 30 comme résultat final. Quel est le nombre choisi au départ ? Dans la suite de l'exercice, on nomme x le nombre choisi au départ. 3. L'expression a est égal 2 facteur de 4x plus 8 donne le résultat du programme de calcul précédent pour un nombre x donné. On pose grand B est égal à 4 plus x le tout au carré moins x au carré. Prouvez que les expressions a et b sont égales pour toutes les valeurs de x. 4. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Affirmation 1. Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Affirmation 2. Si le nombre x choisi est un nombre entier, le résultat obtenu est un multiple de 8. Alors, si on choisit le nombre moins 1, on déroule le programme, moins 1. Donc on va multiplier par 4. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. On ajoute 8. Moins 4 plus 8, eh bien ça fait 4. On multiplie le résultat par 2. 4 fois 2, 8. Donc le programme donne 8 comme résultat final. Alors si on a 30, donc là on fait le programme en sens inverse. 30. Donc si on multiplie pas le résultat par 2, on va le diviser par 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. On ajoute 8, donc là on va retrancher 8. 15 moins 8, ça fait 7. Multiplier ce nombre par 4, inverser, diviser ce nombre par 4, donc 7 divisé par 4,
eh bien ça fait 7 quarts, et donc on obtient le nombre de départ. Donc ça c'est le nombre de départ, donc le nombre de départ c'est 7 quarts. Dans la suite, on a x, le nombre choisi au départ. Alors, si on prend b est égal à 4 plus x au carré, moins x au carré, on va développer b. 4 plus x, donc 4 au carré, 16, plus 4 fois 2, 8x, plus x au carré, moins x au carré. 16 plus 8x, les x au carré disparaissent. Ici, on a un facteur de 2. 2 facteurs de, donc ici 16 c'est 2 fois 8, plus 2 fois 4x, on a donc un facteur de 2 ici, donc il va rester 8 plus 4x. Et donc ceci est bien l'expression A. Alors, première affirmation. Le programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. On va résoudre donc l'inéquation. Donc 2 4x plus 8 inférieur à 0. Donc ici on va pouvoir diviser par 2. Donc il va rester 4x plus 8 inférieur ou égal à, on divise par 2 ça fait 1, 0 divisé par 2 ça fait 0. 4x inférieur à, on peut passer le plus 8 de l'autre côté, sans changer de signe, moins 8. X est inférieur à moins 8, c'est par 4. Donc ici, x est inférieur à moins 2. Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Faux. Quand x est inférieur à moins 2, il donne un résultat négatif. 2, donc si on choisit un nombre entier, k, alors on suppose que k est un nombre entier qu'on met dans le programme de calcul. Donc à la fin, il va nous rester 2 fois 4k plus 8. Si on peut encore factoriser par 4, 4 fois 1 fois k et 4 fois 2. Donc ici, 2 fois 4, 1k, donc k plus 2, 8k plus 2. K plus 2 est un entier. Donc 8 fois un entier, eh bien c'est ce qu'on appelle un multiple de 8. Donc 8, donc ça c'est vrai. Non, le résultat obtenu est un multiple de 8. Exercice 6, un exercice sur Scratch. Les longueurs sont en pixels. L'expression s'orienter à 90 signifie que l'on s'oriente vers la droite. On donne le programme suivant. On prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels. A. Représentez sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu'à la ligne 7 comprise. B. Quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8? 2. On exécute le programme complet et on obtient la figure ci-contre, qui possède un axe de symétrie verticale. Recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. 3A. Parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie axiale, quelle est la transformation géométrique qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré? Précisez le rapport de réduction. B. Quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés? Alors on va représenter sur GeoGebra la figure qui est proposé par le programme, donc GeoGebra. Donc on va commencer en 0, 0, et on va partir vers la droite. Donc ici, on a un carré, donc un carré de longueur 300. Or, ici, 300 pixels, donc 1 cm pour 50 pixels. Et bien, ici, 300 pixels, et bien c'est 300 sur 50. C'est-à-dire 6 cm. Donc on peut placer un point A, 0, 0, B, 6, 0, C, 6, 6, D, 0 et 6. On peut tracer le carré.
Voilà, donc le carré obtenu. Et ensuite, on veut un triangle, et le triangle, c'est un triangle équilatéral, de côté, 300 pixels, donc ici 6 cm. Donc ici, on est là, donc on fait 6, 6 et 6. Donc on veut un triangle équilatéral ABE, donc cercle de centre A de rayon 6, cercle de centre B de rayon 6, l'intersection de C et D, eh bien ça va être E, et tracer le triangle équilatéral ABE. Voici la figure obtenue. Voici la figure qu'on obtient grâce au programme. Quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la limite? Donc limite avancée de longueur divisée par 6. Donc ici, on sait que 300 divisé par 50, c'est 6. Donc 300 divisé par 6, c'est 50 pixels. 50 pixels. Donc ici, les coordonnées du point. Ici, qu'on va mettre en rouge. On est ici, 50, 0. Alors on exécute le programme complet. Donc on est ici, on trace un carré et un triangle. Donc ici on a 50 pixels de côté. Et donc ici. Donc ici on a aussi 50 pixels. Le tout vaut 300 pixels. Donc 300 pixels. Et donc 300 moins 50. Moins 50, donc 50 plus 50, 100, 300 moins 100, 200, donc 200 pixels. Ainsi, cette longueur-là, c'est 200 pixels. Ainsi, mettre longueur à 200. Mettre longueur à 200. Alors ici, transformation entre le petit carré et le grand carré. Symétrie axiale. Donc ici, on voit que ces trois points ici sont alignés. Trois points ici sont alignés. Donc, on a affaire à une homothétie. Vous voyez, on a transformé ce segment ici en ce segment là. Donc on a affaire à une homothétie. La même chose à droite. Voyez. Et ici, on a transformé ce point là en ce point là. Donc on a réduit. Donc on appelle ça une homothétie. Donc ici, homothétie. Donc c'est une homothétie. Le rapport de réduction, donc on va l'appeler R. Eh bien, ici on a 150, ici 100, donc le rapport de réduction, 100 divisé par 150, 2 tiers. Donc, le rapport de réduction, c'est 2 tiers. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez prendre la longueur du carré, grand carré, donc 300, la longueur du petit carré, 200, et donc on aurait 200 sur 300, ça fait toujours 2 tiers. Donc le rapport de réduction, c'est 2 tiers. Le rapport des R, donc rapport des R, eh bien c'est le rapport de réduction au carré. Eh bien, on avait 2 tiers au carré, 2 au carré, 4, sur 3 au carré, 9. 4 neuvième. Donc le rapport des aires entre les deux carrés dessinés est de 4 neuvièmes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, l'aire du grand carré, donc on appelait grand C, eh bien c'est 300 fois 300, c'est égal à 90 000. Et l'aire du petit carré, eh bien c'est 200 fois 200, c'est 40 000. 40 000 sur 90 000, 4 neuvièmes. Donc on retrouve notre rapport des aires entre les deux carrés dessinés.
Dernier exercice, un exercice sur les fonctions. Le hand spinner est une sorte de toupie plate qui tourne sur elle-même. On donne au hand spinner une vitesse de rotation initiale au temps t est égal à 0. Puis, au cours du temps, sa vitesse de rotation diminue jusqu'à l'arrêt complet du hand spinner. Sa vitesse de rotation est alors égale à 0. Grâce à un appareil de mesure, on a relevé la vitesse de rotation exprimée en nombre de tours par seconde. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté cette vitesse en fonction du temps exprimé en secondes. 1. Le temps et la vitesse de rotation du hand spinner sont-ils proportionnels? Justifiés. 2. Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes. A. Quelle est la vitesse de rotation initiale du hand spinner en nombre de tours par seconde? B. Quelle est la vitesse de rotation du hand spinner en nombre de tours par seconde au bout d'une minute et 20 secondes? C. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? 3. Pour calculer la vitesse de rotation du hand spinner en fonction du temps t, noté v de t, on utilise la fonction suivante. V de t est égal à moins 0,214 fois t plus v initial. T est le temps exprimé en secondes qui s'est écoulé depuis le début de rotation du hand spinner. V initial est la vitesse de rotation à laquelle on a lancé le hand spinner au départ. A. On lance le hand spinner à une vitesse initiale de 20 tours par seconde. Sa vitesse de rotation est donc donnée par la formule V de t est égal à moins 0,214 fois t plus 20. Calculer sa vitesse de rotation au bout de 30 secondes. B. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Justifié par un calcul. C. Est-il vrai que, d'une manière générale, si l'on fait tourner le hand spinner deux fois plus vite au départ, il tournera deux fois plus longtemps? Justifié. Alors, temps et la vitesse de rotation du hand spinner sont-ils proportionnels? Quand on voit la courbe représentative, elle représente une fonction affine qui ne passe pas par l'origine, donc les deux quantités ne sont pas proportionnelles. Le temps et la vitesse de rotation du hand spinner ne sont pas proportionnels car la courbe représentative de la vitesse du hand spinner en fonction du temps est une fonction affine qui ne passe pas par l'origine du repère. Alors, lecture graphique, quelle est la vitesse de rotation initiale? Donc ici, ça se lit rapidement. Ici, on a 20. Donc vitesse de rotation initiale, 20. Ici, 2A. 20 tours par seconde. 20 tours par seconde. Au bout d'une minute et 20 secondes, c'est 80 secondes. 80 secondes. Et ici, hop, sur donc du 2,5. Donc 2B, 2,5 tours par seconde. 2C. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Ici, on est là. 80. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 graduations pour 20. Donc ici 4. 4. Donc ici 84, 88, 92, 96. Donc ici on est à peu près à 94. 2C, 94 secondes. Au bout de 94 secondes, le hand spinner va s'arrêter. Alors, le calcul au bout de 30 secondes, donc on va faire V de 30, moins 0,214, fois 30, plus la vitesse initiale, 20. Donc, moins 0,214, fois 30, plus 20. On va trouver 13,58. Donc, 13,58 tours par seconde. Donc ici, c'est la vitesse de rotation au bout de 30 secondes. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Donc ici, on va résoudre l'équation V de t est égal à 0. V de t est égal à 0, moins 0,214 fois t plus 20 égale à 0. Donc ici, moins 0,214 fois t est égal à, on fait passer le plus 20 de l'autre côté, moins 20. T est donc égal à -0,214
moins 20 divisé par moins 0,214. Moins 20 divisé par moins 0,214, 93,45. Donc on va trouver 93,45 tours par seconde. Alors si on veut arrondir, 46. 93,46 tours par seconde. Alors est-il vrai que d'une manière générale, si on fait tourner le hand spinner deux fois plus vite, il tournera deux fois plus longtemps? Donc ici, on va résoudre l'équation moins 0,214 T1 plus une vitesse initiale quelconque, donc égale à 0. Donc ici, moins 0,214 T1 égale à moins vitesse initiale, et on divise par moins 0,214, moins vitesse initiale sur moins 0,214. On peut enlever les moins, moins par moins c'est plus, donc V initiale sur 0,214. Donc ça c'est T1. Maintenant T2 avec deux fois plus de vitesse. Donc moins 0,214 T2 plus 2 vitesse initiale égale à 0. Ici, moins 2 vitesse initiale, moins 0,214 T2. T2 est égal à moins 2 vitesse initiale sur moins 0,214. Donc ici, moins par moins plus, 2 vitesse initiale sur 0,214. 2 fois vitesse initiale sur 0,214. Bien entendu, on a cette propriété-là, A fois B sur C est égal à A fois B sur C. Avec C différent de 0, bien entendu. Mais B initiale sur 0,214, bah c'est T1. T2 est égal à 2 fois T1. Donc oui, vrai. Il est vrai qu'une manière générale, si on fait tourner le hand spinner deux fois plus vite, au départ, il tournera deux fois plus vite.